et on repart pour Anglette. Beau shoot de Bernard Denelli, ouais, qui a fait quelques saisons, une ou deux saisons, non ? Je ne sais plus. En tout cas, il est passé par ici. Ouais. Il remet dans le slot. En tout cas, c'est un bras qui met la pression derrière la cage, qui essaie de remettre les palets dans le bas. De Bernard Denelli, met le palet sort pour Orsamina. Oui, un petit palet perdu. C'est récupéré. Zellinger. La déviation de Baron. Puis tout à l'heure, il est devant. Voilà, il est tout seul. Il est tranquille. Alors ça, c'est pas spécialement grave parce que certains gardiens préfèrent avoir le joueur. Ouais. Voilà. Un peu comme ça s'est passé. Ah, ça se chauffe. Ouais. Bon, voilà. Don Malka avec Ten Brack. On risque de lâcher les gants. Voilà. Ouais. C'est parti. C'est parti. Voilà ça. Ouais. Bon. Voilà. Voilà ce qu'on dit. On va voir ça. Allez. Oh là là. On va voir ça. Allez. Oh là là. Ouais, on le voit bien hein, d'ailleurs, ils sont bien en place, ils sont bien compacts, ils bloquent bien, voilà. C'est là, le garde particulier, faut être rapide, faut être vite contre les balustrades ou vite au pressing parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Ah, attention là, le petit rebond, il n'est pas bloqué. Ouh là là, c'est sauvé sur la ligne. On n'est pas passé loin de la sanction là, le Mathieu Robson qui a... Et de Coq là, à son tour, attention, et le but de Thomas de Coq. Et les peluches qui veulent partout dans la patte. Ouais, il a réussi à faire la feinte, à loger le palais entre les jambes de Papillon. Et les peluches, voilà. Les peluches qui veulent. Et comme souvent au Caen, une grosse action d'un côté et le revirement et c'est un but. Énorme contre. Et Thomas de Coq hein, qui bien inspiré sur cette action, qui crucifie Mulhouse. Ouais, il a bien débordé son défenseur et il s'est retrouvé seul face à Papillon avec de la vitesse. Papillon ne pouvait rien faire. Exactement. Bon, en tout cas, c'était bien joué de la part de Thomas de Coq. Hein. Et donc Anglette qui prend l'avantage et ça va faire du bien pour eux parce que un peu en souffrance au premier tiers, un peu plus équilibré pour l'instant dans ce deuxième tiers, là ils prennent l'avantage, donc ça va leur faire du bien dans la tête, ça va faire un peu de mal à Mulhouse. On va voir comment ils vont réagir, s'ils vont arriver à se ressaisir et, ouais, et re... Allez, dans tous les cas, c'est reparti. Voilà. Anglette va tout faire pour que ça se passe ainsi. Donc là, ouais, ça a poussé, attention, il se décale, le joueur, c'est but. C'est pleine lucarne. Mathieu Robson qui, voilà, tu lui as porté l'œil, Pierre, c'est sûr. Qui est trompé, bon, le but des Scorpions. Le joueur de Mulhouse s'est retrouvé un peu tout seul quand même. Hein, et là, il a crucifié Mathieu Robson à moins de 10 mètres de la cage. C'est Orisluk qui envoie un balayé pleine lucarne à côté fermé. Attention, vidéo est demandée. La vidéo est demandée par les arbitres. Je ne vois pas trop pourquoi. Il a suffi de 11 secondes hein, au Scorpion pour revenir au score. Ouais. Qui était, bah, comme on disait. Il se dirige vers la droite. Que va-t-il faire ? Exercice, Rudy. C'est Embrac, excusez-moi. C'est lancé désormais. Un peu la même chose que Kazarine. Ah, c'est bloqué. Et Chakov, fin 12 buts cette saison. Ouais. Et pour gagner d'ailleurs c'est sur la gauche. Ah, c'est sûr. Il part sur la gauche. Ah, il essaie. Allez, Arosamena, c'est parti. Que va-t-il nous faire? Il prend beaucoup pour le Scorpion. Ouah, c'est pas. Et c'est parti. Chiago. Ah, attention, le palais qui saute. Le pénalty de la soirée. Il s'élance, prend beaucoup de vitesse cette fois-ci. Oh c'est, voilà, faut avoir ses feintes récurrentes et. C'est parti, va prendre sa chance. Allez, c'est parti. Temra qui s'élance face à Robson. Il est sur le côté. Qui a marqué le premier but de la série. Ouais. Va-t-il nous faire la même chose? Allez, c'est parti. Voici, c'est un nouveau. Dan Malka. Voyons. Un style moins finesse en général. La fin de stade, c'est ça, ça fait ça entre.